Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les potes, c'est une vidéo très spéciale. Donc pour ceux qui ont une chaîne YouTube et qui font beaucoup de vidéos de GTA, donc aujourd'hui les potes, je vais vous montrer comment faire une miniature de GTA 5. Et bien sûr les potes, vous devez déjà premièrement, c'est très important, vous devez posséder l'application App Store. Donc c'est l'application de PlayStation 4. Donc il faudra votre téléphone et télécharger l'application App Store et vous allez le trouver dans Google Store. Donc les potes, déjà les potes, si cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker, de t'abonner et d'activer la cloche. Merci le capitaine. Donc aujourd'hui les potes, déjà pour faire une miniature de GTA 5, c'est hyper facile. Donc déjà premièrement les potes, vous devez par exemple vous rouler au hasard. Donc vous roulez n'importe comment. Donc ensuite les potes, vous restez appuyé sur flèche de bas longtemps, comme si vous allez changer de personnage. Mais juste à gauche c'est écrit commencer l'enregistrement. Donc vous appuyez sur X et là ça enregistre. Donc ça va enregistrer l'image de mon véhicule et tout ça. Donc vous allez voir comment ça enregistre. Donc là ça enregistre plus la vidéo. Donc je roule voilà quoi, je roule en mode tout terrain. Donc sans problème. Donc tout cela est bon. Je réappuie sur flèche de bas et c'est écrit sauvegarder l'enregistrement. J'appuie sur X. Donc là c'est parfait. Donc dès que vous voyez que le chargement est terminé, vous pouvez enfin partir en mode histoire, car vous avez déjà fait la première manip. Donc on part en mode histoire. Ensuite les potes, dès que vous êtes en mode histoire, vous appuyez sur option. Donc vous allez en mode pause. Ensuite tout à droite, vous allez voir c'est écrit éditeur Rockstar. Donc vous appuyez sur X. Ensuite on est chargé. Ensuite c'est écrit nouveau projet. Donc on fait un nouveau projet, on appuie sur X. On continue. Ensuite c'est ajouter une séquence. Donc on appuie et là on réappuie encore une fois et là c'est la première séquence qu'on a fait aujourd'hui. Donc c'est avec le véhicule en tour terrain. Donc on réappuie sur X et là on réappuie pour modifier la vidéo, mais on va plus faire la capture d'écran pour avoir une belle miniature. Donc c'est déjà la première chose pour la PS4. Ensuite les potes, dès que tout cela est bon, dans caméra, vous appuyez sur caméra et là vous faites une fois sur flèche de droite et c'est écrit caméra libre. Ensuite vous descendez tout en bas, c'est écrit modifier le caméra. Donc hop, là on modifie tranquille. Donc on peut aller partout, on peut faire n'importe quoi. Mais moi c'est le véhicule qui m'intéresse. C'est la base de cette miniature. Donc c'est le véhicule. Donc on se met comme ça. Voilà, nickel chrome. Ensuite dès que tout cela est bon, on appuie une seule fois rond pour avoir la petite menu. Ensuite vous appuyez sur rond encore une fois. Ensuite vous avez les profondeurs de champ. Donc là c'est plus par exemple le fond est assez, on va dire assez effacé. Donc par exemple je mets par défaut etc. Donc vous allez voir que voilà quoi, ça devient flou au fond. Ensuite effet. L'effet c'est par exemple en charge d'effet de voilà d'image quoi. Donc moi personnellement je ne mets pas car on voit rien comme comme dans la miniature, on voit rien du tout. Donc moi je mets aucun filtre. Ensuite bien sûr pour effet je modifie au moins les lumières. La lumière c'est pour que ce soit plus éclairé pour la miniature. Et pour le contraste, donc le contraste c'est par exemple que le véhicule soit hyper bien dessiné, qu'on voit bien dans la miniature. Donc c'est hyper bien dessiné. Ensuite la saturation,
Donc la saturation, c'est la couleur. Donc ça change de couleur. Vous voyez que ça devient beaucoup plus jaune, etc. Donc moi personnellement, je mets à 1. Donc je mets un peu plus de couleur, un peu plus fragrant. Donc ensuite pour la vignette, c'est plus sur le recoin en mode couleur noire. Donc ça bronze un peu la miniature. Donc ensuite le son ne sert à rien parce que le fait que c'est une miniature, ce n'est pas une vidéo qu'on fait, donc les effets c'est les musiques, les effets sonores, les collisions, les explosions, etc. Donc c'est un petit effet de sono. Ensuite en vitesse, bon vitesse c'est plus vidéo, donc voilà quoi, donc là pour l'instant c'est pas très important. Donc pour tout ce qui est miniature, c'est le caméra. Vous mettez caméra libre et ensuite vous le modifiez. Ensuite, c'est plutôt aussi les effets qui sont assez importants comme les lumières, le contraste et la saturation. Et un petit peu de vignette. Donc voilà, c'est assez important. Donc ensuite, dès que tout cela est bon, vous appuyez sur R3. Donc c'est le joystick gauche. Vous appuyez une seule fois. Et là, ça retire toutes les... Toutes les, par exemple, les numéros, les sauvegardes, tout ça là, donc ça retire, ça devient en image tout rond de miniature. Ensuite, pour moi, les potes, je sais pas pour vous comment vous faites votre capture d'écran, mais moi, ma capture d'écran, c'est Shift, donc c'est le tout petit bouton de gauche de la manette, mais moi, j'appuie deux fois sur la manette pour avoir la miniature, en gros, pour avoir la capture d'écran. Donc dès que tout cela est bon, vous pouvez enfin partir dans Char Factory. Ensuite, quand vous êtes dans Char Factory, les potes, vous allez dans Photos. Ensuite, vous faites un nouveau projet. Et bien sûr, vous choisissez n'importe quel thème. Donc moi, personnellement, je prends celui-là. Bon, j'ai mal pris la photo, mais ça compte parce que c'est écrit clip vidéo sauvegardé. Donc bon, ça compte. Ensuite, vous appuyez sur Modifier, Modifier photo, vous appuyez sur X. Et là, vous avez plusieurs choix. Vous avez comme choisir les couleurs pour les rebords. Comme le rebord est blanc, vous pouvez changer de couleur. Ensuite, moi, le plus important, c'est ajouter les superpositions. Donc, on peut rajouter des textes. Par exemple, on marque faire une miniature. Voilà quoi. Une miniature, voilà quoi. Donc là je peux le mettre ici par exemple et là ça fonctionne hyper bien. Ensuite on peut rajouter des petits thèmes que j'avais rajouté. Donc ouais, franchement il y a plein de choses qu'on peut le mettre. Donc après, dès que c'est bon, dès que tout cela est bon les potes, vous appuyez sur sauvegarder et là ça va sauvegarder la photo et là vous pouvez l'envoyer à votre ami comme je disais les potes. Ensuite allez dans PS App, parce que je me suis trompé les potes, c'était PS App. Et là, vous pouvez récupérer la photo en téléchargeant sur le téléphone. Et là, vous pouvez le mettre dans la vidéo. Donc, si cette vidéo vous aura plu, les potes, n'hésitez pas à liker, t'abonner et d'activer la cloche. Et ce, les frérots, moi je vous dis à tout à l'heure et ciao ciao!